Yo les gens, c'est Selmo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Aujourd'hui, les frérots, ça va être une vidéo invocation sur le Step Jap. On est dans le thème. Donc là, les frérots, on est dans le thème. Donc aussi, je voulais vous dire que si vous voulez ce genre de maillot, petit placement de produit entre guillemets, j'ai le lien dans la description. Je vous mettrai le lien dans la description. Et avec le code promo Selmo 15, vous aurez moins 15% sur chaque maillot acheté. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à taper le code promo Selmo et voilà. Donc là aujourd'hui, on va faire la petite vidéo invocation. On va vite fait check mes outils, ok, les défenseurs, la des stats assez équilibrées en défense, 1115, enfin 1015 d'endurance. Ok. Il a un lead 20%, jab bleu. Ok, c'est fort. Pas mal. En gagnant un duel, cash plank, plus 25%. Et ça, c'est très très intéressant. Par contre, il n'a pas de contre. Pas de contre. Ok, il faudrait le mettre contre du Dreamfest, je pense. Il a un lien. Tac, 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 tac. Avec au moins 5 joueurs japonais de type vitesse paramètre, plus 2%. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pour ceux qui jouent bleu, c'est pas mal. Il a un lien debuff, ok, avec au moins 5 joueurs japonais de type vitesse paramètre moins 2% pour tous les joueurs. Ok. Intensité de toutes les TS, 10%. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Donc voilà. Tac. Ouh, le Nita. Ouh, le Patrick SV. Patrick. Le Patrick Everett est vraiment stylé là. Là, le Patrick, il est vraiment stylé. Là, c'est une belle carte. Ah là, là, chapeau. Là, chapeau. Donc là, un lead 15% job. Ok. Tueur de gardien. Face au gardien, paramètre plus 20%. Très intéressant. Il a une volée. Il a la volée. Ça, c'est une nouvelle volée, ça. Ok. 475 d'intensité. 400 de puissance. Ok. Il a une volée haute et basse. Ah, ça, c'est bien. C'est intéressant. C'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Il a un lien. Paramètre plus 2,5% pour tous les joueurs avec exactement 3 joueurs japonais de type technique. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, tu vois, ça, je valide. Tu vois, les liens avec Jap, ça, je valide. Et les tireurs angle raid, ok, c'est pas mal. Intensité TS, ouh, pas mal ça. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Ensuite, on a le Ryo Ishizaki. Ishizaki, pourquoi la DTS, enfin des stats basses comme ça? Il a un lead 20%, d'accord. Ah, ok. Ah, ok. Un dribble. Ok. Le dribble, en gros, il gagne 7 fois 7,5 en gros, il speed, quoi. Il arrive dans le terrain chez ses forces. Ok. Il a un lien. Ah non, non japonais. Bah ça, je valide pas ça. Ça, je valide pas du tout. Placeur de ballon haut, ok. Hotline. Lorsque Tsubasa ou Miseki reçoivent une passe du Shizaki, les paramètres de leur prochaine action bénéficient de 5%. Ok, pas mal. Et il est maître sur les ailes 15%. Ok, donc il y a moyen. Très intéressant, très intéressant. On a le soda. Le soda. Ok, défenseur. Il a des stats défensifs assez équilibrés. En endurance, il est pas mal. Ah, il a un maître de la bonne lecture. 50%. Ah, ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Il a un lead. 20%. Ok. Ok. Il a un lien. Avec au moins 5 joueurs japonais de type. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ignore le type. Ouh, ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. Et le dernier, le Morisaki. Oula, il a des bonnes stats punch. Ok. 1125 d'endurance. Ok. Bon, franchement, c'est pas mal pour Morisaki. Il a un lead jab 15%. Il est super remplaçant. Paramètre plus 30%. D'accord. Sauvetage héroïque. Ça c'est un nouveau punch. Ok. 800 non pardon 485 d'intensité, ok. Tueur de joueurs non japonais, paramètre plus 5% face aux joueurs non japonais, ça c'est très intéressant. Surtout que les méta actuels qui sont forts en ce moment, c'est les non-jap.
Et donne un contre-auto pour chaque défenseur. Ok. Au moment du contre automatique d'un défenseur ailier, la technique spéciale est activée avec une probabilité de 80%. 0, endurance utilisée 0. Ok. Bon bah écoutez, c'est très 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 intéressant. On va tenter vite fait la une des B, hein, voilà, histoire de. Hein. On va prendre Bro avec nous. Bah, ça commence, il y a une chance. Chance, bon après on n'y croit pas, hein, c'est une DB. Ouais, voilà. On a le bro. On va faire sur le portail allemand. Tac, 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 tac. Bah, peut-être, peut-être, peut-être. Bon. Je vais pas vous mentir, il me faut lead 20% vert et rouge. Bro, t'es là, tu représentes le Japon, fais-moi plaisir. On démarre avec la première multi, les frérots. C'est parti. Première multi. 1, 2, 3. 3 feux d'artifice. Feu. Feu. Première multi. La première multi n'est pas pour Club Game, elle est pour moi là. Là, la première multi, elle est pour moi. Première multi, une SSR, on démarre très bien. On démarre très bien, les frérots. Dernière carte. Ah. Allez. Un petit lead avant. Bon. Yuga, hein, Yuga, tout claqué. El Famoso, Yuga, tout claqué. Deuxième multi, bro. Allez, bisous. 1, 2, 3, 4, 4. On est dans les taux! Mais on est dans les taux! Mais c'est incroyable! On est dans les taux! Allez! Ishizaki, Soda. Ou même une carte du step. Mais un lead à 20% priorité. Allez, 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 allez. Fais-moi péter, fais-moi péter. Oh là là, Matsuyama. Ouf. On est dans les taux, mais on est dans les taux de double. Bon, allez. Merde. Oh, 50%. La 50, la 50, la 50, la 50, la 50, la 50. J'aime pas la 50. Bon, moi j'aime bien la 50. J'aime bien la 50. J'aime bien la 50. 3 multi? 3 SSR? Bon, allez. Même si c'était du doublon tout à l'heure. Ouh, je l'avais pas. Ok, bon, je prends, je prends, je prends. Ok, je prends. Je prends. Bon, on a une New, mais on n'a toujours pas du Rising Sun. Là, ça va pas aller là. Là, je suis pas content là. Il me faut du Rising Sun. Au moins, faut que je repars avec deux Rising Sun. Innécessaire. Par contre, on est dans les taux là. Ouh, on est dans les taux. On est dans les taux à The B. C'est quoi ces taux? Ah putain, bro, hey, tu m'as donné 4 SSR. 4 SSR. Et là, je suis désolé frérot, mais. Vont me servir à rien. Bon, allez. On passe. Je crois qu'on va se taper la garantie. Hein. On va se taper la garantie. On va se taper la garantie. Bon, 10 ballons, je prends. Allez. Bro. Deux SSR au moins. Fais pas ton crevard, frérot. On porte le maillot, là. On porte le maillot, là. Clap Game, on porte le maillot. Fais-moi plaisir. Clap Game, fais-moi plaisir. Bon, allez. Ah, y a rien. Ça va être une SSR. On était dans les taux, mais on est dans les taux des doublons, là. Ça va pas, là. Bon, ma Mizuki, parfait, 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 un lead à 20%, ça fait plaisir. On repart avec Mizuki. Bon, on était dans les taux, les frérots, mais malheureusement, on s'est tapé full double, full double, full doublon. Là, ça a été la vidéo spéciale Mizuki. Rouge et bleu. Donc voilà, on repart avec le Mizuki.
Content, 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 mais un peu mitigé parce que voilà, bon top drop, mais malheureusement que des doublons. Donc voilà, ça va être tout pour moi les frérots. C'était une petite vidéo rapide et voilà. Si le contenu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!